inchi sagi mabugululeki wala bugululeki inchi bas inchi mamara bas inchi mamara sagi inchi mamara bas inchi mamara sagi inchi ambo inchi marito. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre Télé Tchad. Cette année 2020 coïncide avec les 30 années de la Sénafed. Occasion pour nous ici de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de cette institution qui embarque tant de femmes. Alors, en 30 ans, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a plu? Qu'est-ce qui a déplu? Quatre invités sur ce plateau pour en parler. Mariam Tchitchimbaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordonnatrice nationale de l'Association pour le renforcement des capacités économiques et du leadership des femmes africaines. Oui. Merci. Asma Gassine, vous alors, vous êtes la présidente de l'Association des Lami Fortin et Ndjamelwa. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, Fatime Amsissan Lamana, qui est la secrétaire générale de l'ONG Voix de la Femme. Bonsoir, Amsissan. Enfin, Achita Saleh Daman, qui est secrétaire d'État aux affaires étrangères. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir et merci de nous avoir invités. Merci à vous d'être là. Alors, la toute première question consiste à demander ceci. Qu'est-ce qui a conduit à l'institutionnalisation de la Sénafed? Et la question est posée à la pionnière Mariam Tchitchimbaï. Merci. Je vous remercie d'abord de nous avoir donné l'opportunité de nous entretenir sur les 30 ans de la Sénafed. La Semaine nationale de la femme tchadienne découle de la Journée internationale de la femme, JIF. C'est une année déclarée par le système des Nations Unies depuis 1977, 8 mars. Et c'est commémoré dans presque tous les pays. Mais là, c'est la Journée internationale de la femme. La Journée internationale de la femme. La Semaine nationale de la femme. Mais la semaine, comme je l'ai dit, ça découle, ça provient de la Journée internationale de la femme parce que il était question qu'en dehors de la Journée internationale, institué par les Nations Unies, il faut que chaque pays décrète soit une journée ou une semaine. Ça dépend de chaque pays. Je vous donne un exemple. Allez-y. Au Cameroun, c'est une journée. Tout court. Tout court. Au Sénégal, c'est une quinzaine. Alors, lorsque nous avons eu, et c'est notre ministre, Mme Rumba, qui a pris l'initiative d'organiser cette journée pour la première fois au Tchad, elle a dit, bon, si c'est une quinzaine au Sénégal, et c'est un devoir. Et nous nous sommes mis d'accord pour une semaine. Une semaine de réflexion, une semaine qui est considérée comme un espace d'échange des femmes, un cadre de réflexion pour que les femmes, au moins une fois dans l'année, pendant une semaine, puissent se retrouver, échanger leur expérience et se connaître. Et faire connaître ce qu'elles connaissent faire. Okay. C'est pour cela, bon, là vous avez arrêté, on essaiera de voir par la suite. Merci, nous avons. Je vous le dirai. Donc, ça part de la Journée internationale de la femme. Vous l'avez dit. Voilà. Asma Gassim, vous êtes l'ami Fortin. Oui. Vous avez parcouru 30 années de Sénafed, vous avez joui pendant 30 ans de cette Semaine nationale de la femme tchadienne. Oui. Quel est le sentiment qui vous habite en ce moment? Merci beaucoup de m'avoir donné les paroles. Cette journée de la femme mondialement est tchadienne. C'est-à-dire, je peux dire en tant que l'ami Fortin, les femmes tchadiennes, c'est des femmes braves, très braves. Les femmes, elles se retrouvent même avant. C'est-à-dire, la fête, c'est la fête de la femme, c'est une occasion pour la femme, pour toutes les femmes se retrouvent. Les femmes se retrouvent, ils vont changer. Et puis, vous savez, les retrouvailles là, quand même vous êtes des familles, quand vous ne pouvez pas se retrouver, c'est pas bon. Cette retrouvaille a tissé les relations, a donné la force à la femme tchadienne. Et c'est la fête,
Vous voyez, le sénateur, l'instant, l'exposition, c'est très important, c'est très utile. Donc pour vous, ça crée un cadre de retrouvailles. Un cadre de retrouvailles. Et puis, je peux dire, les femmes commerçantes, quand elles exposent, elles bénéficient. C'est très bien. Je peux citer des femmes avant l'autre. Il y a des femmes qui sont venues exposer les arts du Tchad. Des femmes commerçantes, ils sont venus, ils se sont retrouvés, ils ont montré même leur restauration. C'est utile. Très bien. En fait, ce que je voudrais dire, par rapport à votre question, pourquoi cette institutionnalisation de toute une semaine pour la femme? Parce qu'au début, c'était une journée tout simplement. Et comme la femme tchadienne a tellement à donner, tellement à exprimer et tellement à revendiquer qu'on a vu qu'une semaine juste ne suffit pas à la femme tchadienne pour s'extérioriser et exposer tout ce qu'elle a dans les tripes. Et voilà, c'est parti. Une semaine a été donc donnée, institutionnalisée par un décret. Et c'est à cette occasion-là que, bon, voilà, toute la latitude est donnée à la femme de s'exprimer, d'échanger sur leur cas, sur leur statut, de faire valoir et de faire valoir, de faire savoir faire, d'exprimer donc ce qu'elles savent faire, d'exposer ce qu'elles savent faire, de dire aussi quels sont leurs problèmes. De dire quelles sont leurs revendications et d'arracher ensuite leurs droits. Je crois que c'est un peu cela, ce passage d'une journée à une semaine. Alors je précise simplement que sur ce plateau, nous avons trois générations, les pionnières, Mariam Titimbay et Asma Gassine, l'intermédiaire Achta Sale et l'actuelle génération Amsissan. C'est très bien, le temps est donné. Que voulez-vous dire, madame? Oui, c'est-à-dire, et comment nous sommes arrivés à l'institutionnalisation? Comme le ministre l'a dit tout à l'heure, nous avons commencé par une journée, c'était le 8 mars. La deuxième année, 87, c'était une semaine, mais dans l'informel. Et ça ne permettait pas aux femmes qui travaillaient dans les banques, sociétés, tout ça, de s'y impliquer. Oui. Elles se sont plaintes. Donc en 88, la décision qui a été prise en 87, c'est de revendiquer l'institutionnalisation. Et c'est comme ça qu'en 88, les femmes réunies, comme d'habitude dans le cadre de la Sénafed, ont revendiqué que ça soit institutionnalisé. Et ça a été fait en 89. Alors, Amsissan, vous avez vécu votre première Sénafed en tant que femme mature à partir de quelle année? Pour moi, ma première Sénafed, c'était très tard, hein, parce que là, je me rends compte que peut-être qu'il y a eu des difficultés à insérer la Sénafed au niveau peut-être de l'école. Parce que c'est toujours des femmes, c'est elles les futures femmes. Au niveau des universités, on était en marge un petit peu de la Sénafed. C'était plutôt une affaire de nos mamans. Oui. On voyait les pagnes arriver, maman qui s'attelait pour aller à faire la plus belle couture, pour participer avec les autres. On se demandait qu'est-ce que c'est Sénafed. Il y a une fête, c'est folklorique, c'est quoi? Mais avec le temps, plus tard, il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait, la Sénafed, c'est un espace très important pour la femme, pour s'exprimer, pour valoriser le travail de la femme tchadienne, pour lui donner un aspect d'implication et d'impact dans le développement du pays. Moi-même, je me suis totalement imprégnée de la Sénafed, donc j'ai participé chaque année de suite pour m'apercevoir de ce que la Sénafed peut m'apporter et qu'elle peut apporter aux autres. Et je me rapprochais souvent de mes anciennes pour vraiment avoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait. Et nous avons eu 30 ans de Sénafed. Quels sont les résultats? On a eu la chance, il y a quelques semaines quand même, de faire un aperçu de tout ça. Ouais. Et je me rends compte qu'on a un devoir de résultat. Et ce devoir de résultat, il faut qu'il s'affirme. Et ce sont les femmes qui vont amener ce résultat. Il ne faut pas qu'au-delà de l'aspect juste festif et folklorique, il ne faut pas que la Sénafed soit une fête des femmes. Et si résultat il y a, quels sont ces résultats, par exemple? Oui, on observe quand même. La femme parle très haut. La preuve, on est déjà invité à des plateaux. On participe pleinement. La Sénafed permet de côtoyer les gens. La Sénafed nous permet d'exprimer nos valeurs.
nous avons la possibilité d'exposer dans tout le Tchad, pas seulement au niveau de N'Djamena, c'est des résultats très positifs, mais il y a aussi l'aspect, il faut plus impliquer encore ceux qui sont encore plus jeunes, même plus jeunes. Donc vous voulez dire qu'on implique aussi, aussi les écolières et les étudiants. Il faut qu'ils s'imprègnent. Qu'on les prépare au fait. Il faut qu'ils prennent le relais. Ouais. 30 ans, oui, mais après, on a le sujet même, le thème qui est perspective. Donc pour moi, en tant que responsable aussi d'une entité de la société civile, je pense qu'on doit aussi plus captiver l'attention des plus jeunes encore, pour que vraiment ils puissent s'imprégner des 30 ans qui ont été faits et se préparer à peut-être, si Dieu leur prête vie aussi, et nous aussi, à 30 ans. Et parfois la réaction est mitigée quand on parle de Sénafed. Mmh. Est-ce qu'on n'a pas trop communiqué sur la chose? Est-ce que parce que la population en général n'arrive pas à cerner encore au-delà de l'aspect festif? Madame a dit quelque chose de très important, M. Sam, quand elle dit que c'est une occasion pour la femme tchadienne de prendre la parole. Vous savez que la femme tchadienne, elle est pudique et rare sont les femmes qui vont au devant de la scène, prennent la parole, parlent. Vous savez que même vous, étant journaliste, en venant sur le plateau, vous avez d'abord le tag, et puis ensuite, vous prenez la chose, vous vous lancez dans la chose. Et donc, c'est très difficile à la femme tchadienne de prendre la parole et vraiment de discuter et d'exprimer ce qu'elle a dans la tête, dans les tripes. Et donc, l'occasion a été donnée, donc, au cours donc, de ces festivités, là, la femme, elle prend la parole devant un parterre de personnalités, de dire ce qu'elle a envie de dire, de s'exprimer. Et ça, je crois que c'est déjà un point fort. Et quand vous parlez de perspective, il faudrait à ce moment-là inculquer, donc faire intervenir la scène en fait dans les écoles. Et comme cela, on va avoir une nouvelle génération qui est capable, qui n'a pas froid aux yeux et qui va au devant du public et dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est très important. Mais ne pensez-vous pas qu'il revient également à vous de mener cette action, c'est-à-dire intégrer les écolières dans la semaine? Exactement, c'est une proposition que nous pourrons faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse la Sénafed juste au milieu du ministère. La Sénafed, c'est l'implication, effectivement, comme le ministère de tutelle, mais il faut que même la société civile, les femmes qui ont des associations qui militent pour les droits de la femme ou bien qui militent pour la valorisation du travail de la femme soient impliquées pour qu'elles aussi à la base retournent pour amener cette information, pour améliorer la participation de toute cette couche. Il y a beaucoup d'associations de jeunes qui sont maintenant avec nous, donc il serait vraiment important de les impliquer chaque fois à la préparation de la semaine pour qu'il y ait plus de programmes qui concernent les jeunes dans leur milieu peut-être scolaire ou bien dans leur milieu de divertissement, dans les milieux culturels, pour que vraiment on puisse avoir cet échange, cette mixture-là, à travers laquelle va ressortir encore un meilleur résultat. Parce que, comme dit Madame la Ministre, à ce moment, même la tranche d'âge la plus petite sera préparée à appréhender ce que c'est qu'une Sénafed, au-delà de l'aspect juste festif. Parce qu'on aura un devoir de résultat, il faut présenter l'excellence. La femme tchadienne doit vraiment présenter ce qu'elle fait. Qu'en dites-vous, madame? Oui, là, quelque part, j'entends dire qu'on fait du folklore, c'est des occasions festives, tout ça. Loin de là, si on suit bien, dès le début, comment la Sénafed a commencé? Et comment nous sommes parvenus à ces résultats d'aujourd'hui? Ma fille, je pense peut-être qu'elle est sous-informée, mais au niveau des établissements tels que le Sacré-Cœur, Collège évangélique, un peu partout, déjà, les jeunes ont pris l'initiative d'organiser des conférences, débats au sein de leur établissement. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Donc, ça a été déjà décentralisé. Au niveau de la zone rurale, ça, c'est depuis 1998. Que ça a été décentralisé. Pourquoi? Parce que nous avons pensé au niveau du ministère qu'il faut aller faire un travail de proximité au niveau de la zone rurale. Pourquoi? Parce que cette femme de la zone rurale, c'est elle qui est la nourricière de la nation. C'est elle qui est à la base de tout, de l'agriculture, de l'élevage,
tous les transformations, conservation des produits, que ce soit agriculture, dans l'agriculture ou de l'élevage, c'est la femme rurale. Nous lui devons beaucoup d'honneur, de respect et un peu d'égard. Une attention toute particulière à cette femme qui est dans l'oubliette. Et c'est comme ça qu'en 98, lorsque nous avons décentralisé la SENAFET avec le ministre Agnès Alafi, mais il y a eu des échanges, le ministre l'a rappelé, la foire, et Asma l'a dit, c'était pour rendre visible ce que les femmes font dans l'informel. Personne ne voit ça, on ne voit que le formel. Mais l'informel, on ne le voit pas, on n'en parle pas. Et nous, à l'occasion de l'exposition vente des foires, nous donnons l'opportunité à ces femmes de venir exposer leurs produits. Et les autorités qui viennent, on leur dit d'acheter ou quelque chose. À l'époque, chaque autorité qui passe devant un stand doit prendre quelque chose. Comment une autorité qui passe devant un stand sans acheter même un porte-clé? C'est malheureux. Alors que c'est encourageant pour ces femmes. Elles vendent, elles exposent, c'est pour faire connaître. Et c'est pour que demain, qu'elles sortent de ce carcan informel pour aller vers le formel. Donc, c'est tout un processus que nous avons mis en place. Et je m'en vais vous dire, en 98, à Béché, les femmes venant du Sud, parce que nous avons préparé leur esprit, on a dit, si vous venez, venez avec vos produits. Donc, chaque région devrait venir avec ses produits spécifiques. Donc, le Sud venait avec les daoudawa, avec les karités, avec les poissons qu'on n'en trouve pas à Béché. Mais à Béché, une cape, les femmes ont vendu ça à 3000, 2500. Elles ont fait des affaires. Elles étaient contentes. Ouais. Et celle du Guéra, amenée du sésame, de l'huile de karité, celle du lac, la vannerie, toute une vannerie. Elles ont amené des vanneries pour qu'il y ait des échanges entre les 14, à l'époque c'était les 14 préfectures. Voyez-vous, ouais. Et ça constituait une force. Et ça a permis aux femmes en rien du tout de se connaître et de connaître ce qui est moins cher dans telle région, ce qui est coûteux dans telle et puis échanger entre elles. Ça constitue un brassage. Voilà, un brassage. Dans cette perspective. Hein, ce brassage est important pour parvenir à une solidarité. Pourquoi nous fêtons, on dit, on commémore le 8 mars? C'est par solidarité avec les autres sœurs du monde entier. En cette période, c'est toutes les femmes qui se grouillent. Mouvement féministe, c'est partout. Ça s'éveille partout. Et aide leurs sœurs qui sont encore au bas de l'échelle. C'est pas entre nous, leaders. Non, nous, alhamdoulilah, nous devons penser à celles qui sont au bas de l'échelle. Comment faire en ce moment pour que le secteur informel puisse aller vers le secteur plus porteur? Et ça, ma fille, elle est bien placée. On me dit ça. Hein? Du secteur informel évoluer vers le secteur porteur. Comment comprendre, Madame le ministre, que les femmes qui sont à la base de la fabrication de beurre, zibdé, fabrication, elles font de charmout, elles font de lait caillé, quand c'est pas vendu, le lait frais, quand c'est pas vendu, elles le transforment en lait caillé pour ne pas perdre. Ces femmes-là, pourquoi au niveau de l'élevage, on ne puisse pas élaborer des projets pour que le Tchadien puisse manger son beurre, son enfant, en allant à l'école au lieu d'acheter le beurre venant de la France ou d'Allemagne ou d'où? Nous avons notre beurre traditionnel. Et en vous adressant ici à Madame la Ministre, oui. C'est au gouvernement aussi que vous... Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'était ça. Il y a un premier pas à faire. Le premier pas à faire, c'est quoi? C'est-à-dire faire connaître ce que nous sommes en train de faire. Certes, c'est d'une manière formelle. C'est pas industrialisé. C'est pas labellisé. Mais il faut aller, on est en train d'aller dans cette perspective. Voilà. Vous savez que parmi ces régimes qui se sont succédés au Tchad, moi je n'ai pas vu un seul régime qui a fait autant pour la femme tchadienne. Soit on est d'accord ou on n'est pas d'accord. On est d'accord. On est allé dans cette perspective. Vous savez qu'au sortir du forum inclusif, qu'est-ce qui a été dit pour la femme? Énormément de propositions concrètes ont été faites, des décisions, des grandes décisions ont été faites
pour ce qui concerne la femme. Pour, précisément pour parler de ce secteur qui doit évoluer, il y a même une banque de crédit exceptionnelle qui est mise à la disposition de la femme tchadienne. Mm-hmm. Et pourquoi on le fait? C'est juste pour que ces petits entrepreneurs qui émergent doivent émerger. De ça, elles vont le faire. Dire, mais oui, mais c'est tout un processus à mettre en place. La déclaration a été faite. 30 ans, c'est quand même, parmi les c'est quand même beaucoup pour que le processus qui a été enclenché aboutisse quand même à quelque chose de concret. C'est en train d'aboutir. C'est en train d'aboutir avec ces grandes décisions qui ont été prises. Vous voyez, quoi qu'on dise, le Tchad aujourd'hui est en avant-garde de tout ce qui est genre, tout ce qui est émergence de la femme, le développement de la femme. Vous savez, vous circulez un peu dans la sous-région, où vous dites, mais vous, les femmes tchadiennes, mais vous êtes heureuse. Je dis, mais pourquoi on est heureuse? Mais vous avez un président exceptionnel. 8 mars, il y a quelques années, n'est pas une journée fériée. Aujourd'hui, c'est une journée fériée, payée, chômée et payée. Alors, pourquoi? C'est parce que on veut des résultats, mais on veut valoriser la femme tchadienne. La dernière fois, il y a 2 ans, je crois, en 2018, le président, c'est lors aussi de la célébration de la journée de la femme, il dit, les femmes, monsieur, les hommes, en s'adressant aux hommes, ils disent, monsieur, vous devrez accepter le changement avec les femmes. Et vous, les femmes, ne dormez pas. Mm-hmm. Donc vous devez vous battre. Voilà. Les femmes ne sont pas en train de dormir. Elles sont éveillées, elles sont de plus en plus conscientes de leur situation. On était à une période, à un statut très réducteur de la femme. Mais aujourd'hui, la femme est prend la parole, elle est écoutée partout, à l'intérieur du pays. Elle fait partie même, je vous dis, de cette grande institution, la haute autorité des chefs traditionnels. Il y a des femmes qui siègent dans cette grande institution. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit, oui, entre-temps, c'est les pesanteurs sociaux et voilà, c'est la religion, c'est la tradition, c'est les, voilà, c'est tout ça là qui fait que la femme n'émerge pas. Et que c'est tout ce que qu'on est en train de vivre qui freine l'évolution de la femme. Mais aujourd'hui, la femme, elle est dans cette institution, elle peut prendre des décisions, elles sont à des postes de décision. Vous n'allez pas me dire qu'en ce moment... la femme est à la traîne. La femme tchadienne n'est pas à la traîne, Dieu merci. Attendez, je vois qu'elle brûle d'envie de parler. Voilà, oui. Okay. Vous voyez, quand j'ai commencé à dire la femme tchadienne est brave, si aujourd'hui, si vous voyez les femmes, je suis à côté du marché, des grands marchés, si les femmes avec un enfant au dos, à 4h du marché, de 4h du matin, elle est au marché, ça c'est quelque chose vraiment... Vous voulez parler des vendeurs? Oui, parce qu'elles sont là, ça c'est le terrain. S'il y a quelque chose qui commence là, il faut vraiment aller jusqu'en bas pour consulter ces femmes-là. Je veux vous dire quelque chose. Il y a Mariam Tchitimbay, il y a Madame Yodeyman Mariam, il y a Virgo Garbarum là. Au commencement de ces affaires, on rentrait dans le bureau des maisons pour expliquer aux femmes. Voilà l'objectif de ces affaires. La sensibilisation. On a sensibilisé. Moi, je suis là, Mariam, Virgo Garbarum et Madame Yodeyman, la défunte Mariam. Mais là, ça n'existe plus. Moi, oui, on est là. Il y a une rupture. Oui, on est en train de rentrer de bureau en bureau pour expliquer. Mais là, peut-être que c'était au départ et il fallait que on a expliqué. Mais ce qui veut dire que je vais maintenant. Ça veut dire que quelque part, mes aînés ont failli. Non, mais au commencement, c'est déjà la technique d'information. Parce que vous nous avez appelé, on est venu. Oui. Parce que comme ça, il ne faut pas qu'on attend les Sénafés. D'abord, on nous appelle. S'il y a quelque chose qui se déroule, tant qu'on est en vie, appelez-nous. D'accord. On va vous transmettre les messages. D'accord. Chaque chose là, il faut commencer par les anciens. C'est les gens qui sont morts là, on va les trouver où? Mais c'est pourquoi vous êtes ici. Oui, mais c'est pourquoi on est ici. Donc on est en train de vous dire, si les choses qui concernent la femme, il faut la préparer bien avant. Oui. Il faut l'impliquer. Même les femmes qui vendent des poissons, des savons, il faut vraiment, c'est-à-dire un espace qui regroupe toutes les femmes là, et écouter leurs doléances
avant de faire la grande commission. Il s'agit de reconsidérer, voilà. de considérer les formels à la base. Voilà. Aujourd'hui, nous, on est ici, il y a des femmes qui sont au marché, ils vont venir dire des choses très importantes que le gouvernement va prendre en compte pour travailler avec. Parce que si la femme est pauvre, si la femme est pauvre, elle ne travaille pas, ce n'est pas bon pour la famille et pour le pays. Et je peux dire ce que la première dame est en train de faire. Parce qu'elle, avec les grands cœurs, c'est le social. Le social est très important. Elle touche les plus vulnérables. Elle soigne, elle touche. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler toi seule et toutes les gens qui sont tout autour de toi, qui sont malades, qui ne mangent pas à leur faim, ils ne vont pas t'écouter. Et j'ai dit vraiment, je tire chapeau à la première femme. La première dame, ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire, c'est ça l'encadrement. Elle encadre, et même au niveau de la femme, il y a le ministère des Affaires sociales. Il faut qu'il écoute les femmes chaque jour. Il faut pas qu'on reste les sénateurs avant d'écouter les femmes. Non, il faut les écouter par équipe, par des associations, et vous allez les écouter et vous allez trouver de bonnes choses et on va travailler avec. Donc c'est ça le Sénafed. C'est pas seulement les journées de la femme. D'accord. On a un ministère qui doit écouter toutes les femmes. Chaque jour, une commission qui va s'installer au ministère là pour écouter. C'est votre proposition. Oui, c'est ma proposition. Le jour J, ça va être facile parce que vous avez tous les doléances des femmes. En un mois, vous ne pouvez pas vraiment cerner les doléances des femmes. C'est ça ma proposition. Et encore, j'ai dit vraiment, comme la première dame est en train de faire, franchement, il faut que le ministère aussi fait la même chose. Parce que c'est ça, il faut arroser un arbre. Un arbre comme ça, si tu n'arroses pas là, ça ne va pas être un arbre. Donc c'est comme ça. Donc il faut que la femme tchadienne est brave. Je vais vous expliquer quelque chose. Tu sais, en 79, quand on était sortis, pendant la guerre, la femme tchadienne avec sa voile qu'elle a clôturé sous arbre pour faire rentrer ses enfants et son mari. Oui. La femme tchadienne, c'est pas de la blague. C'est une femme brave. Oui. Elle est la charge. Oui. Il faut vraiment. Elle est présente, nous a fait tout. Mais ces représentants des femmes là, qui sont au niveau de l'institution là, il faut qu'ils écoutent les femmes. Ils vous écoutent, madame Isma. Ce que je vous dis, ce que je voulais lui dire en guise de réponse, c'est que au sortir donc de ce forum des 30 ans de la Sénafed, énormément de sollicitations, de recommandations ont été faites au gouvernement. Moi, j'ai lu toutes ces recommandations. C'est des recommandations qui sont plausibles, qui sont faisables, qui sont réalisables. Mais on va le faire, nous, en tant que gouvernement, je parle au nom de mon gouvernement, certes, nous en prenons compte et c'est des choses qui peuvent se faire parce que c'est des choses réalistes. C'est des demandes, c'est des sollicitations réalistes. Mais dites-vous que on ne peut pas, par un coup de baguette magique, tout faire cela. Mais on doit y travailler, on doit construire cela. Il y a tout un processus. Ça a commencé il y a 30 ans, ça va se poursuivre 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, un siècle plus tard. Vous savez, la femme européenne, elle n'a pas tout de suite eu tout ce droit. Elle s'est battue tout au long de cette vie. Elle continue à vivre. Vous savez quoi? Ces inégalités dont on parle, par exemple, dans les pays européens, ces inégalités du point de vue du salaire, nous, on ne connaît pas ça. Au Tchad, on ne connaît pas. À travail égal, salaire égal, madame. N'est-ce pas que vous gagnez le même salaire que vos autres confrères journalistes? Voilà, ça c'est un point fort. La femme tchadienne, elle est chef de famille, elle prend sa voiture, elle conduit sa voiture, elle va au marché, elle va au travail, elle vient à la maison, elle cuisine pour sa famille. Pour vous dire que par rapport à certains pays, dans ces pays là où les femmes n'ont pas la possibilité de conduire, eh bien la femme tchadienne, elle a conduit très tôt. Moi, j'ai conduit à 13 ans. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à conduire le véhicule de mon papa. Donc, c'est pour dire que le Tchad, il faut prendre le Tchad comme une entité. Nous sommes au centre de l'Afrique. Et nous, savez-vous quoi? Nous sommes pris en exemple. Franchement. Et ça, il faut le cultiver, cela. On a des leaders. Notre leader, c'est le chef de l'État, certes, mais on a une grande dame, au grand cœur, qui sait tirer ses femmes, ses soeurs vers le haut. Et ça, c'est une aubaine. Elle l'a dit, moi, je ne le répète pas.
Elle a, il faut saisir cette occasion. Elle l'a dit, mais elle a également révélé un aspect, c'est que les femmes qui sont à la tête des institutions n'encouragent pas les autres femmes. Et si elle encourage, quand je vous dis, par exemple, qu'il y a des recommandations qui ont été... On les écoute. Moi, je vous écoute, je parle des femmes. On n'écoute pas assez les femmes. Oui, oui, parce que ça, je veux dire. Je ne peux pas dire tel, mais il faut prendre l'écoute. Toi, tu es responsable, tu les écoutes. À ce moment, vous allez travailler avec. Vous savez quoi? Tout ce qui va se dire aujourd'hui, tout ce qui a été dit au cours de cette semaine, qui va se dire plus tard, parce qu'on n'est que le 5 aujourd'hui, nous prendrons compte de cela. Pour ce qui concerne le gouvernement tchadien, on prendra le compte. On aura le temps de poursuivre toutes ces réformes-là. Ça va se faire. Ok, Charles. Oui, je voudrais compléter quelque chose là. Vous savez, quand j'ai dit à ma petite sœur, il faut qu'on les écoute. Pourquoi? Je t'ai dit, moi j'ai trouvé, ça fait des années, une femme folle qu'elle est en train de dire des choses. Mais j'ai capté des choses bien. J'ai capté certains mots que je suis en train de travailler avec. Donc il faut vraiment, tu vas trouver quelqu'un comme ça. Une femme folle, moi je peux dire. Ouais. Je l'ai écoutée, j'étais à côté d'elle comme ça, mais elle a dit de bonnes choses. Qui est en train de m'aider. Donc quelqu'un qui est là comme ça, là j'ai dit, vraiment, quand tu écoutes, c'est bien. On peut dire une femme responsable, une femme leader là, elle ne se fatigue pas. Bien sûr. Donc, il faut qu'elle soit. Elle est importante. Oui. C'est pour ça que moi, quand je parlais aussi de l'aspect scolaire, de l'aspect au niveau des universités, c'est vrai peut-être que le Sacré-Cœur a initié depuis des années, mais moi je reconnais vous qu'il y a des choses, hein. Mais je rebondis pour vous dire que j'aimerais que ça soit un peu plus large. Que l'information soit plus fluide, décentralisée, l'information plus fluide, plus d'implication. Le ministère fait déjà beaucoup. Beaucoup d'associations participent à la Sénafed. Non, je voulais dire tout simplement qu'il y a des embryons qui sont là par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai cité quelques établissements. Et cette année encore, il y a eu d'autres associations également. Même au niveau du corpuscule, que tout ça soit pris en compte. De l'ampleur. Voilà. Nous sommes pour ça. Madame le ministre. Non, on doit composer. Moi, je suis d'accord qu'on compose. Hein. Vous savez quoi? Mais est-ce que même vous, journaliste, vous faites votre travail? Parce que j'ai regardé un peu la grille de programme de la télévision tchadienne. Nulle part, je n'ai vu une émission dédiée à la femme. C'est vrai, ce qu'on nous faisons aujourd'hui, c'est une aubaine, c'est très bien. De la télévision, il faut que nationale, ça soit toute une continuité. Madame, vous n'avez aucune grille de programme. Aucune émission qui pose la question de la femme, c'est pas normal. Il dit que c'est pas normal. Ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte et la télévision nationale est en train de travailler sur une nouvelle grille de programme qui prend en compte véritablement les problèmes. Oui, mais ça n'a pas été fait. Voilà. Je déplore. C'est tout à fait ça. Cette émission sera injectée. Il n'y a que vous, il n'y a que vous qui puissiez véhiculer. Exactement, il n'y a que vous, journaliste, qui puissiez véhiculer toutes ces bonnes pratiques et des leçons à tirer éventuellement et de donner la parole à la femme. Et si on n'a pas la parole au niveau de la télévision, moi je suis heureuse et j'étais super pas bien, mais j'ai dit c'est un grand rendez-vous, il ne faut pas que je rate ce rendez-vous, je suis là maintenant à ce moment. Alors, il faudrait que au niveau de la télévision, tiens bien que vous preniez vos responsabilités, vous animez une émission super bien, continuez, faites quelque chose. Donnez la parole à la nouvelle génération, à l'ancienne génération. Faites un spécial à Madame Asma Kassim qui a beaucoup à donner. Elle aussi, peut-être qu'elle a failli, je ne sais pas. Mais oui, non, mais faites un spécial. Je ne sais pas. Vous avez plein de choses à faire. D'accord. Faites-le et donnez-nous la parole. D'accord. Donc nous sommes en train de vous donner la parole. Vous avez la parole, Madame Mariam. Merci beaucoup. Tout ce que nous venons de dire à l'instant, c'est des résultats probants. Mais c'est des résultats qui provient d'une lutte de longue haleine. Ça, il faut le reconnaître. Et nous devions continuer toujours à lutter. Mais lutter ensemble, ensemble, avec toutes les femmes de différentes couches sociales. Il faut considérer tout le monde. Et ce que nous venons de dire, la représentation des femmes, la scolarisation des filles, les filles, elles émergent très bien maintenant grâce au projet de l'éducation nationale. Donc, le gouvernement fait de son mieux. Le gouvernement nous a tout donné. L'État est là, il nous suit. Le quinquennat, notre nom. Vous en avez eu un, le quinquennat. Nous sommes d'accord. Le quinquennat dédié à la femme. Il y a tellement de facilités pour nous que nous ne devions pas dormir. Exactement. Hier, nous, vos mamans, lorsque nous avons commencé, on nous comptait au bout du doigt. On n'avait pas de moyens.
Mais aujourd'hui, nous, nous avons lutté pour que nous parvenions à ce résultat d'aujourd'hui. Vous êtes nombreuses, mais vous n'êtes pas solidaires entre vous. La solidarité manque au niveau, au sein même du gouvernement, au sein même de l'Assemblée. Les femmes ne sont pas solidaires. Bon, qui va défendre le sort de ces femmes alors qu'à l'époque, on avait seulement une seule femme ministre. Mais elle faisait tout, des lobbies, de ceci. Elle avait toujours des complices pour l'aider à faire passer un texte. Et au niveau du gouvernement, c'est la... Non, laissez-moi finir. Attendez qu'elle finisse. Laissez-moi finir. Finissez. Moi, je vous ai laissé finir. Laissez-moi finir dans ma logique. Donc, il faut qu'il y ait une solidarité. Et si chaque année, toutes les femmes du monde entier sont mobilisées au courant du mois de mars, c'est pour qu'il y ait une solidarité agissante entre toutes les femmes du monde entier, pour qu'il n'y ait plus de femmes qui croupissent encore dans la pauvreté, qui sont sous la discrimination, qui sont encore sous le poids des charges énormes pour ne pas même avoir la possibilité de s'occuper de ses enfants. Et ces femmes-là, elles sont là encore. Nous devrons nous occuper de celles-là. Et s'il n'y a pas la solidarité, s'il n'y a pas de contact, Dieu merci, la voix de la femme tchadienne est là. Et le ministre l'a bien dit. Les femmes de la communication, vous ne faites rien. D'accord. Pas beaucoup. Pas assez. Voilà. Vous avez une association des femmes communicatrices, mais on ne vous entend pas. On a besoin de toutes les femmes, des jeunes ministres, des députés, tout ça pour que nous puissions maintenant relever le défi et surtout le défi de la femme rurale. Merci. Moi, je voudrais attaquer madame, mais comme elle a été mais vraiment clean et qu'elle a bien terminé, je garde ça pour moi. Non, on va pas de censure. Je voudrais dire quelque chose à ma fille, Amsissan. Oui, Amsissan, tu sais, nous, vos mamans, on est conscients. Très conscients. De quoi? C'est-à-dire, Amsissan dit qu'il faut qu'on aille. La jeunesse, parce qu'elle, Amsissan, toujours, elle m'écoute. Nous, on a créé cette association. Mais il faudrait que les autres Amsissan vous écoutent aussi. Oui, mais les autres aussi, mais... Écoute, je suis perdue. Tu es perdue parce que je vais dire à Amsissan, à travers elle, à d'autres Amsissan qui sont en train de nous suivre. Parce qu'on est en train de leur transmettre le message. Vous nous avez demandé le Sénafait. Nous, le Sénafait est né devant nous. Oui. Donc, on connaît beaucoup de choses. Vous voyez, non? C'est comme ça que je vous ai dit, on est là à votre disposition. Si vous venez vers nous, on va vous transmettre ce qu'on a vu, comment on a commencé. Et vous, vous allez compléter ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais si on n'a pas les contacts, seulement les quelques semaines, une semaine ou deux semaines là. Oui, vous l'avez dit. Oui, j'ai dit ça, mais Amsissan, on est là, on va vous transmettre le message. On voudrait un cadre. Il ne faut pas que ce soit seulement la Sénafed qui nous réunisse. Mais il faut qu'on nous provoque. Déjà, il y a eu un cadre. On est là devant la télé toujours pour nous dire comment on a vécu. Elles essayent de nous tirer vers le haut, mais il nous faut... On vient de sortir d'un cadre, un très beau cadre, le dialogue intergénérationnel qui vient d'être organisé. Voilà, de telles rencontres sont à pérenniser. Et ce thème-là, c'est parce que ça va nous réunir comme d'avant. Même pour l'autonomisation de la femme, la lutte que nous menons aujourd'hui pour que la femme soit autonome, c'est une lutte qui n'est pas vaine. On voit le processus, on voit le développement, on voit un changement positif. Mais moi, je voudrais encore plus. Je voudrais du concret, comme je vous ai dit, l'emballage du savon qu'il y a 30 ans, je ne le veux plus aujourd'hui. Ouais. Il y a des possibilités. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? Voilà. Et nous amorçons. L'emballage, c'est un résultat. Du coup, nous amorçons un autre aspect de ce débat, les perspectives. Comment voulez-vous que cela fête soit dans les années à venir? Amsissan, je commence par vous parce que nous sommes en même temps en train de conclure. L'avenir, pour moi, pour l'instant, si Dieu nous prête vie, moi je le vois, je l'aperçois brillant. Parce que pour moi,
devant moi, je vois un schéma de femme qui a de la créativité, qui a de la possibilité et qui est accompagnée. Accompagnée. Parce que moi-même, je fais partie de la fondation Grand Cœur et qui est en train de militer extrêmement pour que la femme soit autonome. Et il y a un accompagnement perspectif qui se voit. Avec un petit élément, la femme arrive à développer une grande créativité. Donc, selon moi, les perspectives doivent être palpables. Il nous faut absolument, de la résultante qui ressort, il nous faut mettre en place des structures pérennes et qui puissent vraiment amener la femme de la créativité à la réalisation. C'est vrai, faire partie, avoir des foires, aller aux foires, exposer toujours notre petit sésame attaché dans les LEDA, notre ceci, et puis nos artistes qui sont là avec nous, sans vraiment avoir la possibilité d'émerger comme tous les autres. On a déjà beaucoup d'efforts, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on passe au concret. C'est bien de parler, c'est bien de discuter, c'est bien d'échanger. On a 30 ans de Sénafed, ça signifie 30 ans d'un package de recommandations. Et si on reprend toutes ces recommandations, peut-être qu'elles vont se répercuter, mais il faut prendre l'essentiel et le concrétiser. C'est ce que je pense. Oui, oh oui, perspective. Oui, on est déjà... Mais vous êtes en train de... Voilà, oui, c'est votre dernière intervention. Oui, parce que je peux dire... Hein, il faut qu'on respecte tout ce qu'on a dit. Il faut un suivi. Il faut un suivi. Il faut un comité qui est là parce que il faut. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez que, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire après 30 ans? Après 30 ans, si on parle comme Amsissan l'a dit, on les laisse l'année prochaine, on ne peut rien faire. Vous voulez parler d'un comité de suivi de recommandations. Il faut un suivi. Il faut vraiment respecter tout ce qu'on a dit. Parce que depuis 30 ans, on parle, oui, on a fait, le Sénafed, les femmes ont fait quelque chose parce que les rencontres même des femmes, c'est déjà quelque chose. Notre rencontre, c'est déjà quelque chose. Donc maintenant, il faut un suivi. C'est pas chaque jour on attend que le président fait. Non, il nous a tout donné. Maintenant, c'est nous. Et puis, je vais encore revenir pour dire qu'à nos dirigeants de nous écouter. Et puis, on respecte ce qu'on dit. Amsissan, on est là. Toute la jeunesse, venez vers vos mamans. On va travailler. On va vous transmettre. Il faut que le Sénafed soit quelque chose de bien. Et le côté social, j'ai dit... Bravo et bonne fête à la grande dame. Moi, elle m'a donné le centre de Massénia. Voilà, c'est quelque chose. Aujourd'hui, j'ai formé des femmes. 38, et voilà, vous pouvez aller à la télé, va aller à Massénia voir comment. C'est déjà concret. C'est une sorte de réduire la pauvreté. Merci. Maintenant, beaucoup. Les femmes sont en train de travailler. Elles peuvent prendre sa machine et faire les coudres et trouver quelque chose pour ses enfants. Très bien. Donc... Merci. Maman, mais je dis, attendez, nous allons nous entendre. Amsissan, vous avez fini de parler. D'accord. Vous avez conclu. Madame de Kimbaï, d'abord. Permettez-moi de dire juste que, comme elle a énormément de choses à Madame Asma Gassim, elle a énormément de choses à dire, elle a des choses formidables à dire, elle ne trouve pas l'occasion certainement de le dire, qu'elle écrit tout simplement. Bon, d'accord. Il faut nous écrire. Comme l'a fait notre première dame. Oui. Là où est le stylo? Dites-nous cette densité, cette richesse que vous avez. Mettez-nous dans un livre. Oui, Madame le ministre, je suis toujours sur le terrain. Merci beaucoup. C'est pas, je ne suis pas une maman qui reste à la maison qui cache. Je me fatigue pas. Je suis là à votre disposition. Mes petites sœurs et mes enfants. Je suis là parce que je ne suis pas écoutée, Madame le ministre. Il faut qu'on m'écoute. Il faut savoir ce que les femmes sont en train de faire. C'est pas moi seul. Comme je vous ai dit, les femmes sont là sur le terrain. La femme tchadienne est brave. Allez-y vers à 4h du matin. J'ai dit à la télé, allez-y à 4h du matin. Vous allez voir combien de femmes tchadiennes sont braves. Merci. Avec un enfant au dos à 4h du matin.
Est-ce que cette femme-là, on l'a consultée avant de faire laisser la fête? Merci. Elle est très concernée, elle est concernée. D'accord. Donc, allez-y sur le terrain. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Oui, ok. Merci, madame Titimbay. Oui, oui, merci. Comme madame Asma l'a dit, elle a répété plusieurs fois, la Tchadienne est très brave. Ma femme Tchadienne est très brave. Elle est comblée de beaucoup de valeurs, raison pour laquelle elle continue, malgré ses difficultés, ses lourdes charges, elle continue toujours d'assumer ses responsabilités dans le cadre du développement. Développement surtout dans l'élevage, l'agriculture, comme je l'ai dit, l'artisanat. C'est elle qui est la principale éducatrice des enfants. C'est elle qui est ministre même de l'Intérieur. Voilà, donc ceci étant, nous avons fait un tour. On a parlé de long en large à ce qui concerne la Sénafed, mais 30 ans, parler de 30 ans en un laps de temps, ce n'est pas aisé aussi. Mais on a dit l'essentiel. Oui. L'essentiel a été dit même pendant le forum qui a évalué les 30 ans. Vous aurez certainement les résultats après l'analyse du ministère. Nous devions bien conserver et entretenir ce cadre. Nous a offert ce cadre, cadre de réflexion, cadre de concertation, le cadre qui doit marquer notre solidarité, notre sens de responsabilité, là où on se trouve, qu'on soit dans une responsabilité quelconque, et même une responsabilité familiale. Il faut promouvoir également ces mamans, les ménagères qui sont dans leur famille, il faut les promouvoir pour qu'elles soient des mamans aptes à gérer les circonstances actuelles. La Sénafed, il faut la conserver. Il faut un journal. À Kané, comme on a commencé le journal, c'est pour recueillir, c'est pour conserver tout ce qu'on a dit. Et ça sera lu plus tard par d'autres personnes. D'accord. La voix de la femme, le magazine, parce qu'il faut toujours continuer à faire entendre l'écho de la femme. D'accord. Les conférences débats doivent être multipliées, décentralisées, pour que les causeries débats soient à la portée de chaque femme, même la femme commerçante, la femme d'éleveur, de l'agriculteur, puisse donner ses points de vue. Dieu merci, elle parle maintenant, comme le ministre l'a dit. Il y a des femmes qui ont la prise de parole maintenant. Tout ça, c'est grâce aux efforts que nous avons déployés. Merci. Et également, nos jeunes doivent maintenant s'accaparer, c'est-à-dire prendre le relais de ce que les mamans ont fait, mais pas dénaturer. On n'a pas dit c'est la fête, aller se retrouver quelque part, aller boire des whisky, des liqueurs, et on dit, on danse et on dit que c'est ça la Sénafed. Non, c'est pas ça. La Sénafed, c'est pour réfléchir sur la problématique de la femme. Comment la femme doit s'impliquer effectivement dans le processus de développement et directement dans le processus de développement. Merci. Pour que demain, elle puisse être une mère digne, un agent de développement digne de ce nom. Nous faire sortir de la pauvreté. Je n'ai pas fini, mais vous... La régie me fait signe que c'est bon, nous avons épuisé le temps. Merci beaucoup. Alors, merci. Je donne la parole à Ashtasa Ledaman pour sa conclusion. Merci beaucoup. Il y a une idée qui se dégage de tout ce que nous avons dit là, tout de suite là, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre de concertation. C'est très important. Moi, je prends note en tant que gouvernement aussi. Je prends note, il faut avoir un cadre de concertation pour s'écouter, pour échanger et évoluer ensuite. C'est très bien. Il y a un acquis. Il y a des textes juridiques, il y a des textes qui formalisent, mais franchement, tout ce qui est condition de la femme, très bien, ça, ce sont des acquis. Maintenant, ensuite, il faut valoriser ces acquis, il faut aller à l'avant. Donc, vous êtes dans la position de soutenir ce que fait le gouvernement tchadien pour aller de l'avant. Les choses ne vont pas se faire entre les femmes toutes seules. Non, je dis que les hommes doivent contribuer. On a notre premier ambassadeur qui est le chef de l'État, l'As des As. Il y a son épouse, la première dame aussi, qui essaie de faire le maximum pour tirer ses soeurs. Ça aussi, c'est un acquis. Maintenant, il faudrait que le commun de mortel des Tchadiens comprenne que la femme fait partie intégrante de la société. Elle participe au développement du pays, elle participe à l'éducation de ses enfants, elle participe à l'émergence du pays. Donc on ne peut pas
à l'heure actuelle, faire machine seule sans que la femme ne contribue. Ce que je voudrais dire aussi, c'est à l'endroit de nos jeunes qui, aujourd'hui, sont dans une pente qui n'est pas bien pour la femme. La femme, qui est la mère, qui est la sœur et qui est l'épouse aussi, doit être considérée, doit être respectée. Elle ne doit pas être traînée dans la boue. Et donc, à ces jeunes, je parle mais franchement à nos jeunes enfants, à nos jeunes frères, de prendre conscience de leur poids et de leur rôle dans l'intégrité de la femme. La femme doit être intègre pour poursuivre. La femme doit être intègre pour marquer son évolution et marquer l'émergence même de son pays. Donc, il faudrait que ces jeunes-là soient conscients. Merci. Et faites attention à la drogue. De plus en plus, nos jeunes s'adonnent à la drogue. Il faut faire très attention. Et je sollicite vraiment ces jeunes associations. Il y a énormément des associations qui militent dans ce sens. Qu'ils conscientisent mieux encore ces jeunes gens et de faire attention parce que cette déferlante de violence a pour cause et la cause, c'est la drogue. Donc, faites attention. Il faut qu'on ait une jeunesse consciente, une jeunesse saine pour notre pays. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je précise que nous avons jeté un regard rétrospectif dans ce débat qui prend fin. J'ai reçu sur le plateau Mariam Tchitimbaï, coordonnatrice nationale de l'association pour le renforcement des capacités économiques et du leadership des femmes africaines. Asma Gassim, elle est présidente de l'association des Lamy Fortin, Ndjamenoa. Fatimi Amsissan Lamana, la secrétaire générale de l'ONG Voix de la Femme, et Achta Saleh Daman, qui est secrétaire d'État aux affaires étrangères. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'est un réel plaisir merci. Pour moi d'avoir animé cela en votre compagnie. Merci. J'ai dit au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Okay. Intima marabas, intima marataki, intima.